Hey, bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Je suis actuellement étudiante en cinquième année à l'école d'art et de design de Marseille, où il fait toujours beau, et que l'on peut appeler plus simplement les beaux-arts. On dit je suis aux beaux-arts de Marseille. En fait, depuis quelques années, je dirais que mes recherches et mon travail, ça s'articule plutôt autour de la photographie de paysage, en noir et blanc, en argentique, avec un pentax. Et que, à travers ces photos, j'essaie de définir et de ressentir des espaces, qu'ils soient vides ou qu'ils soient pleins. Et des espaces de nature, la plupart du temps, des promenades, des constructions. Mais depuis 2 ans, je prends de plus en plus de sons. Pas pour accompagner les photos, mais plutôt comme une pratique à côté. Une autre façon pour moi de capturer un petit peu des choses et puis de les transformer. Le traitement du son me permet souvent de donner à entendre ce qui ne me va pas vraiment. Pour le dire plus joliment, je pourrais dire que je tente de défendre le paysage et le calme avec la photo, et plutôt de dénoncer le bruit et la désinformation avec la prise de son. Pour Création on Air, on a fait Déconnexion, une création sonore un petit peu fictionnelle. En fait, c'est l'histoire de cette jeune femme qui n'arrive plus à éteindre les machines de son appartement. Pour moi, le flux là, c'était le flux des voix de robotique, le flux des voix de synthèse de ces machines-là, qui sont à la fois des machines du futur, un futur un peu proche, mais en même temps qui sont déjà tellement présentes dans notre quotidien. En fait, c'est ces machines-là qui font peur et qui nous dépassent un peu et qui nous empêchent de profiter du paysage. Voilà.